qu'un EAE. L'EAE, entretien annuel d'évaluation. La durée, entre 45 minutes et 1h30. Un entretien de progression. C'est également à ce moment que le manager doit définir les objectifs pour la période à venir. L'EAE a pour but d'évaluer les compétences des collaborateurs au niveau opérationnel sur l'année qui vient de s'écouler. C'est un rendez-vous qui permet d'échanger sur les atouts du collaborateur et les points à améliorer. Vous êtes un collaborateur? L'entretien annuel est le moment privilégié durant lequel vous allez pouvoir échanger avec votre manager sur votre activité, votre vie sociale et votre avenir. Durant une heure à peu près, cet entretien vous offre l'opportunité de dialoguer avec votre responsable d'une façon plus détendue. Revenir sur les moments forts de l'année en balayant vos réalisations avant d'aborder vos futurs objectifs. Vous êtes le manager? Prenez le temps de recevoir vos collaborateurs et laissez-les s'exprimer sur les missions qui leur sont confiées, sur vos relations professionnelles, sur leur vision. Ces entretiens vous permettent d'avoir une connaissance globale des compétences et forces de votre équipe, mieux définir les objectifs pour une meilleure vision globale et un meilleur engagement de la part des collaborateurs. Ça sert à quoi, EAE? Pour les collaborateurs, c'est l'occasion de mettre en valeur votre travail, trouver des points d'amélioration, désamorcer des conflits, élaborer un plan d'action, promotion, formation, mobilité professionnelle ou géographique. Fixez les objectifs à atteindre pour l'année à venir. Pour les managers. Fixation des objectifs pour l'année 2018. Le rôle primordial du manager est de challenger ses collaborateurs pour le contrat d'objectifs de l'année à venir. Le manager ne doit pas se contenter de remplir sa grille d'évaluation, de noter le collaborateur, mais plutôt il doit se demander comment il va expliquer de manière concrète les raisons qui motivent sa notation. Évaluer les compétences actuelles du collaborateur. L'EAE vous offre l'opportunité de dialoguer avec votre responsable d'une façon plus détendue. Objectif SMART. Spécifique, un objectif spécifique, précis et compréhensible. Mesurable, un objectif mesurable doit être quantifié ou qualifié. Atteignable, un objectif acceptable, pertinent et motivant. Et il doit être également partagé entre le collaborateur et le manager. Réaliste. Un objectif doit être réaliste ou réalisable, avec l'identification des moyens nécessaires, humains, matériels. Temporel. Un objectif doit être défini dans le temps, avec des délais précis. EAE est un moment sympathique entre le collaborateur et le manager.